La parole est à monsieur François Michel Lambert. Merci monsieur le président. Monsieur le Premier ministre, été 2004, 2,8 milliards. Mai 2006, 3,3. Décembre 2008, 4. Juillet 2010, 5. Juillet 2011, 6. Décembre 2012, 8,5. Septembre 2015, 10,5. Juillet 2018, 10,9. Octobre 2019, 12,4 milliards. Sur la durée, en un peu plus de 15 ans, le coût de l'EPR de Flamanville a augmenté de près de 300%. Sa mise en service a reculé de 13 ans. C'est pourquoi tout le monde parle de fiasco, d'énorme fiasco. Et tout le monde se demande pour quelle raison, dans une lettre envoyée en catimini au PDG d'EDF le 12 septembre dernier, Madame la ministre de la Transition écologique et Monsieur le ministre des Finances et de l'Économie proposent d'étudier un seul et unique scénario de construction de 6 nouveaux EPR à l'horizon 2035. Les choses seraient-elles déjà décidées pour l'avenir de la filière ? Faut-il pourtant rappeler que le président de la République, en novembre 2018, quand il présente la feuille de route énergétique de la France pour les 10 prochaines années, se garde bien d'annoncer la construction de nouveaux EPR. Alors ma question est très simple. Comment envisager 6 EPR construits en 15 ans alors que l'EPR de Flamanville n'est toujours pas opérationnel ? Merci. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur François-Michel Lambert. Alors en effet, le dérapage en coût et en délai de l'EPR de Flamanville constitue un échec pour toute notre filière nucléaire. Et vous l'avez dit, depuis le lancement du projet, les coûts et les délais ont été multipliés par plus de 3. Ceci appelle des explications pour en tirer toutes les leçons, et c'est bien ce que nous avons demandé avec Bruno Le Maire. C'est également le sens du rapport que nous a remis Jean-Martin Folz hier, rapport qui a été rendu public et qui pointe des problèmes à la fois de qualité industrielle, de compétences et d'intégration de la filière nucléaire. Donc nous avons demandé au PDG d'EDF de nous présenter sous un mois un plan d'action pour redresser cette situation. Au-delà, ce rapport constitue une brique importante dans l'ensemble des éléments dont nous aurons besoin pour prendre en temps voulu une décision sur l'avenir du nucléaire dans notre mix électrique. Et comme nous a demandé le président de la République, nous voulons disposer de tous les éclairages mi-2021. Tous les scénarios sont étudiés, allant d'un scénario où le mix électrique serait 100% renouvelable à un scénario comprenant des nouvelles centrales. Et je redis qu'il n'y aura pas de décision prise avant la mise en service de Flamanville. Donc d'ici là, notre feuille de route est claire, c'est la mise en œuvre de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui prévoit de ramener la part du nucléaire à 50% en 2035, avec notamment la fermeture des 2 réacteurs de Fessenheim au premier semestre 2020, et dans le même temps, le développement résolu des énergies renouvelables. Donc vous le voyez, le cap est clair et nous n'entendons pas laisser des dérapages sans réponse. Merci Madame la Ministre, Monsieur le député. Je pense Madame la Ministre que vous auriez dû dire que l'EPR c'est un éléphant blanc. Personne n'en veut, ça ne marche pas et ça coûte une fortune à celui qui le nourrit. Il serait temps que nous puissions tourner la page et que nous nous tournions vers les réalités de nos concitoyens au quotidien, des énergies renouvelables, la précarité énergétique et surtout combattre la précarité énergétique, je l'ai dit, et les passoires thermiques, pardon. Donc Madame la Ministre, en quelques secondes, comment pouvez-vous nous garantir que vous mettrez au même niveau, voire plus haut, le quotidien des Français, notamment la précarité énergétique et résoudre le problème des passoires thermiques? Je vous remercie. Merci Monsieur le député. La séance des questions au gouvernement est terminée, la séance est suspendue.